Edouard, ça doit être un beau moment là. Oh oui, c'est toujours agréable de gagner des courses, surtout que je suis pas trop, on va dire, entre guillemets, châté cette année, donc c'est vraiment très bien. Le cheval a été bon parce qu'on a l'impression qu'il a un petit peu tiré pendant le parcours. Ah mais c'est un très bon cheval, hein, ça, il a toujours montré que c'est un très bon cheval. Oui, il a tiré, mais avec les bonnets fermés, c'est pas le même. Je voulais pas lui mettre au hit, il était pas trop allant. J'ai rajouté un peu de poids parce que ce que je disais tout à l'heure, j'ai changé la ferrure, mais il a montré que c'était un très bon cheval. C'était une course visée, ce prix Yvonique Bonin, parce qu'on le sait, c'est une course importante dans le programme, que ce soit pour les entraîneurs comme pour les apprentis. Oui, c'était une course visée, mais comme j'ai dit pas mal de vos confrères, c'est que j'ai eu un problème, c'est qu'il y a un mois, il est tombé boiteux en promenade, sans rien, et il a dû faire 10 jours de boxe, et du coup, il a fait 8 jours de sortie, et là, ça fait que 15 jours qu'il travaille, donc il a travaillé que 4 fois. Mais c'est ça, quand ils sont bons, il n'y a pas grand-chose à inventer. Ouais, ça rehausse sa performance. Un petit mot par rapport à sa partenaire, pourquoi ce choix aujourd'hui? Parce qu'elle a déjà monté pas mal de fois pour moi et je sais qu'elle n'allait pas lui faire mal. Donc, et puis en plus c'est un petit poids, donc voilà, c'est très bien pour nous tous. Donc je suis content pour Clara et surtout. Et en même temps, c'est l'épreuve majeure, la principale pour les apprentis. Et c'est Clara de Dark Eagle qui remporte cette course. Alors je demande au public, même si on n'est pas si nombreux que ça, et bien de faire du bruit et de féliciter Clara de Dark Eagle. Clara. Oh, on t'a pas volé ta selle, ne t'inquiète pas. Il y a quelqu'un qui te l'a ramené. Voilà, je sais que tu regardais ça. 17 plus 1, ça fait 18. 18 victoires cette année et c'est pas la moins belle celle-là. Ouais, c'est super. Non, c'est super. Le cheval n'était pas à 100%. Il pensait être 4-5. Il m'avait dit d'attendre le dernier tournant et j'avais un dos qui ne me plaisait pas et j'avais gros de gaz. Du coup, je suis venue en pensant qu'on allait me reprendre la tête. On me l'a pas repris. Il m'avait prévenu qu'il était dur. Il l'a vraiment bien fait. On s'inquiétait pour toi parce qu'on avait l'impression que le cheval tirait. Ouais, quand j'étais dans les autres, oui, j'avais gros de gaz alors que normalement il est froid. C'est ça qui m'inquiétait un peu quand elle a pris la tête, Esther. J'avais peur qu'elle reprenne et que je leur monte dedans. Donc je préfère assurer le coup et essayer de rouler un peu. Mais c'est bien. C'est bien qu'il ait du gaz. c'est le plus beau succès de ta carrière, on va pas se le cacher. C'est la plus belle course pour les apprentis de toute façon. Là, ouais, c'est vrai que c'est une belle victoire. Après, celle avec Regain dans le Castillonnet, c'était belle aussi. On t'a vu longuement savourer un petit peu ce moment dans l'ensemble des balances. C'est un moment particulier aussi, ce prix Yvonique Bonin pour les apprentis. Oui, bah, je connais bien Émilie en plus, alors c'est vrai que ça... C'est bizarre comme sensation, ça fait bizarre, parce que bon voilà, ils ont perdu leur fils et leur frère, et c'est un peu triste quoi. C'est à double tranchant quoi, à la fois on est heureux, à la fois bon, on est un peu triste pour eux quoi. On va rester dans la joie. C'est une super année pour toi, c'est certainement la meilleure. Ah ouais, c'est la meilleure, ouais, c'est clair. Là en plus je fais un super meeting, je suis bien partie pour le challenge, donc faut que ça dure. Ça va s'arrêter après, mais pour l'instant on en profite.